Bon après-midi, il est 4h51. On est jeudi, j'étais en congé pour 6 jours. Puis oui, on est encore en voiture, mais cette fois-ci, on s'en va à Québec. Puis là, ça brasse sur le bateau. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, hey, regardez. On perd l'autre traversier. Tantôt, là, on se faisait bercer par les vagues. Ça brossait plus tard. Ouais, c'est l'enfer. Comment ça brosse. Puis ils ventent, là. Fait que c'est ça. On va voir les petits. Ça fait un mois certain qu'on ne s'est pas vu, si c'est pas plus. Non, on fait 4 semaines. On se fait un mois. C'est ça. Puis on s'ennuie. Fait que là, c'est ça. On part jusqu'à dimanche. Puis, concernant mon nouveau travail, j'adore ça. J'adore. C'est vraiment ce que je voulais faire. Je m'ennuie de mes anciens collègues de travail, par exemple. Je m'ennuie un peu. So, je peux pas changer d'emploi et tout avoir en même temps. C'est comme ça. Mais vraiment, j'adore ça. Mon patron il est sympathique. Sa femme aussi, même. Mes nouvelles collègues de travail sont fines aussi. J'aime vraiment ça. Puis ce que j'aime le plus, surtout, c'est que j'ai mon 6 jours de congé. Fait que c'est ça. On va aller magasiner en même temps. Ben, en tout cas, on va aller faire un tour de magasin. On va aller chez Costco. Demain, on va coucher chez Cindy. Ah non, pas demain. On se fait une fondue aussi avec les petits. Puis Cindy puis Willy, ça va être fun. Et ils vendent, là. Je vais juste vous montrer comment ils vendent. Regardez. La vague, là. C'est l'enfer. Quand c'est des mers pas trop grosses, pareil. Pas trop hauts. Mais là, c'est parce que c'est le vent aussi. Là. Oui, mais c'est des vagues. Hé, comme ça, les vagues. La SP, c'est possible. Bon, il y aura vu bien que ça. Quand c'est à l'eau, là, habillé un canard. Ouais, monsieur. Mais non, on revient de bord. Quand t'as peur, quand t'as peur, puis tu vois la vague. Bon matin. Il est 9h20. On est arrivé hier soir, il était 8h environ. Puis c'est ça, on a frappé beaucoup de pluie en s'en venant. Des bouts de mouillet pas. Puis c'est ça, quand on est arrivé chez Cindy, il n'y avait plus d'électricité. Ils en ont manqué un bon bout. Dans le fond, ils en ont manqué dans l'après-midi, aller jusqu'à tard cette nuit, je pense qu'il devait être 2-3 heures. Puis là, ben, j'étais avec la petite Noémie. Puis, on voit la petite Daphné ici, qui est en train de manger. Puis, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, ça a fait 33 ans cette semaine qu'on était ensemble, moi puis mon chum. Ouais, 33 ans, ça, je me souviens comme si c'était hier. Puis, c'est sûr, on a eu des hauts et des bas. Là-dessus, on a failli se laisser 2 fois. Ben, on s'est laissé dans le fond une demi-journée. La première fois, je me souviens... Ça devait faire, je sais pas, 7-8 ans peut-être qu'on était ensemble. Là, j'avais fait ses bagages. J'avais toutes mis ses affaires. Je me souviens plus quand on s'était chicané dans la bonne midi, en tout cas. J'avais toutes mis ses affaires dans des sacs de poubelle. J'ai dit, ça y est, tu t'en vas. Puis dans l'après-midi, ben, il était revenu. Puis, quoi, je pense qu'on s'est même pas laissé une demi-journée. Je me souviens même plus seulement pourquoi. Puis, voilà, 2-3 ans aussi. 3-4 ans peut-être, on avait failli se laisser. Je suis pas. J'étais comme en dépression. J'étais comme tannée de tout ça. Fait que. On avait failli se laisser aussi à cause de ça. Je voulais plus rien faire. Je voulais même plus sortir de la maison. J'étais comme en dépression. Là. Je voulais pas. Puis là, ben, c'est sûr, on a failli se laisser, mais on s'est pas le nez. Puis, on s'obstine. Puis c'est ça. Ça fait 33 ans que ça dure. 33 ans. Puis ça, je pense que ça va durer encore longtemps. Fait que c'est ça, là, tantôt, après-midi, ben tantôt, là, on va aller chez Costco avec Noémie. Vas-tu venir chez Costco? Oui. Oui? On va aller voir Léana aussi? Oui. Oui. Fait qu'on va aller dîner avec Léana et Cindy. On va aller passer l'après-midi avec eux autres? Oui. Tu vas venir avec grand-papa et grand-maman? Oui. Oui?
On n'apporte pas maman. Avec grand-papa puis grand-maman? Oui. Tu vas venir avec nous? Oui. D'accord, on va aller passer une partie de la journée avec eux autres. Pas Daphné. Daphné, elle vient pas. On n'a pas pour Daphné. Juste avec Noémie, puis grand-maman, puis grand-papa. Oui, on va aller voir Léana. Veux-tu? Oui. Ouais, fait que c'est ça. On s'en va tantôt. Bon, il est rendu 3h45 de l'après-midi. Eliott, on ne te voit pas, on voit juste la lumière. J'étais avec Eliott et Noémie. On a mangé, c'est Cindy à midi. Hein, Noémie? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Du poulet. Ouais. Poulet. Ouais. Poulet. Avec, moi, j'ai mangé du macaroni, puis il était pas bon. C'était vraiment pas bon. Il avait mis beaucoup, beaucoup de persil dessus. Puis, oh, je l'ai vraiment pas aimé. À ce soir, qu'est-ce qu'on mange? La pizza! Puis on va l'acheter chez IGA. IGA! Attention avec ta lumière. On va aller où? Où qu'on va aller après ce feuille? Au Costco, lumière! Au Costco. On va aller acheter des commissions. Costco, lumière! Puis là, grand-papa, il vient d'arriver. J'en ai trouvé, mais... Puis, ça, c'est la petite Daphné! C'est ma petite Daphné! T'as tout le bec sale. T'as tout le bec sale. Ouais. Tu parles-tu encore? Tu parles-tu encore? Ah ouais. Elle veut plus parler. Ouais. Oups! Elle vient de régurgiter! Bon matin! On est samedi, il est 9h35. On arrive de déjeuner chez Stratos. Puis là, c'est ça. Hier, on devait aller... on devait manger de la pizza de chez IGA pour souper. Finalement, on est allé manger chez Barbies. Je suis allée toute seule avec Émilie. C'était le fun. On a discuté. Puis ensuite, ce sera pas long, je vais revenir dans 2 secondes. Ah, c'était Cindy qui a appelé. un matin, j'ai échappé mon téléphone. J'avais plein de linge dans mes bras, puis j'avais mon téléphone dans une autre main, puis là, je suis venue pour m'en aller vis-à-vis la toilette, puis je l'ai échappé. Mais je pense qu'il fonctionne encore. Ça disait juste qu'il y avait de l'humidité qui avait été détectée. Là, je l'ai rallumé. Il a l'air à fonctionner. Je l'ai mis dans le riz tout de suite. Fait que là, je laisse agir un peu. Puis là, je commence à avoir mal à la gorge un petit peu.
Mon chum est parti chercher Léana. Elle va venir avec nous, pour sa journée avec nous. Puis après dîner, je vais aller avec Émilie chez Costco. Depuis qu'on est arrivé, qu'on fait des projets, puis ça marche jamais comme on dit. Il arrive tout fait quelque chose. Après-midi, c'est sûr qu'il faut y aller, on n'a pas le choix. Ensuite, c'est sûr, le Cindy devait venir passer la semaine. Je ne sais pas si elle va venir, elle va y penser. Les enfants commencent à avoir le rhume. Moi, j'ai mal à la gorge un petit peu, puis c'est sûr que c'est pas l'idéal qu'elle vienne à la maison quand si les enfants ont le rhume. Fait que c'est sûr. Faut peut-être vous apporter avec nos Costco. Ben sûrement. Sûrement, je vous apporte. Matin, on est dimanche, j'espère que vous allez bien. Finalement, ben, notre fondue, c'est ça, je devais apporter mon poêle à fondue, puis j'allais oublier à la maison. Fait que dans le fond, on aurait eu juste un pour toute la gang. Fait que on a mangé de la fondue en fondue, puis pas. Ce qu'on a fait, parce que là, ça aurait été trop compliqué, juste un poêle pour tout le monde. Fait qu'on a tout mélangé la viande dans un chaudron. Fait que ça a super bien fait pareil. On a fait, ben dans le fond, on a mis le bouillon dans un chaudron et on a fait tout bouillir la viande dedans. C'était bon pareil. Puis, c'est ça. C'était tranquille quand même en fin de semaine. J'ai bien aimé ça, surtout avec les petits. Puis, j'allais avoir plus de boue avec les petits que mon magasinage. Tout ça. Puis, de toute façon, mon magasinage au Costco, j'ai pas vraiment trouver de choses pour moi. Tu sais, c'était plus des commissions qu'il fallait que j'apporte. Genre, savon pour la douche, du déodorant pour homme. Tu sais, c'était pas... Il n'y avait pas full de commissions. Là, on est au marché Jean Talon. Mon chum est allé faire des commissions là. Puis je me suis acheté un étui pour mon cellulaire que j'ai échappé hier dans la toilette. Je suis contente parce qu'il fonctionne, tu sais, il n'est pas brisé. Fait que mon étui, il est comme ça. Il est en cuir. Il est vraiment beau. Puis, ce qui est hot, c'est que je peux enlever mon téléphone. T'sais, mon téléphone s'enlève. Ça fait bien, tu sais, je peux traîner juste mon téléphone. Ou avec l'étui. Puis, en plus, j'ai un côté pour mettre mes cartes. Il est vraiment beau. Il coûtait 29, je pense. Ouais, il est vraiment beau. Mon chum s'en est acheté un aussi, mais lui, il s'en est acheté un qui s'accroche après lui. Oups, il y a un monsieur qui vient de passer proche de ma voiture. Je le guettais, un vieux monsieur. Pas une personne âgée, dans le fond. Fait que c'est ça. Là, tantôt, je vais aller au Walmart. Je vais aller voir pour m'acheter des chandails en manches longues ou des cotons ouatés pour travailler là-bas. Puis c'est ça. Là, je recommence mercredi soir de 6 à 9. J'ai vraiment hâte. J'adore ça, je vous le dis. Je suis vraiment bien là-bas. Pas que j'étais pas bien où je travaillais avant. Mais là, au moins, c'est sûr, je fais ce que j'aime, je suis au CAIS, puis c'est sûr, fait que j'adore ça. Je m'ennuie de mes collègues, par exemple, je m'ennuie vraiment, vraiment beaucoup. Eux autres, ils me manquent, mais tu sais, à un moment donné, il faut mettre, ben pas une croix sur le passé, mais tu sais, il faut avancer de l'avant, puis c'est ça que je fais, j'avance. Fait qu'il fait beau, il fait super beau. On a couché chez Cindy, c'est le fun avec les petits. Et en plus, il était tout malade. Hier, il y avait juste Elliot qui faisait qu'il n'a pas fait de fièvre, dans le fond. Juste lui. Les autres, ils en ont toutes faites. Tu sais, ça jouait tout à 37, 38, 39. En tout cas, c'est peut-être les dames ou un rhume. Daphné avait le rhume. Fait que c'est ça. Et là, on va s'en aller tranquillement à la maison. Fait que je vous dis bye-bye, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.